Voilà. Je voulais, à travers ce petit, bonsoir, hein, à travers ce petit direct, vous informer encore. Vous savez, c'est mon travail. Quand j'ai une information, nous devons d'abord la partager. Voilà. Ensemble, voilà, du jour au lendemain, vous serez mis au courant des détails. Voilà. Je l'ai appris avant-hier et c'est confirmé hier. Voilà, moi-même j'ai suivi la situation. L'école Victor Hugo, que vous connaissez tous à Matoto, la grande école Victor Hugo. Victor Hugo qui a formé des grands élèves. Victor Hugo qui a formé des docteurs. Victor Hugo, d'où aujourd'hui nous avons presque, je le dis, parce qu'à ma connaissance, c'était les premières écoles un peu moderne au temps de l'ancien Conté, paix à son âme, l'ancien Conté, un peu moderne. Donc, hier, les parents d'élèves avaient reçu le préavis pour dire qu'ils vont fermer l'école. Ça, c'était compris de tout le monde, connu de tout le monde. À la grande surprise des parents d'élèves, ils ont demandé d'arrêter l'année scolaire, l'année scolaire, de l'arrêter avant le 15 mai. Mais comment faire arrêter l'année scolaire avant le 15 mai? Les examens arrivent, les préparatifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Le propriétaire, celui qui a acheté un influent, l'associé d'un membre du CNRD, parce que un membre du CNRD actionnaire dedans, ils ont demandé au directeur. Parce que les fondateurs, parce que Sidya Touré est actionnaire, je pense que oui, Comara aussi est actionnaire, mais Sidya est le principal actionnaire, Monsieur Sidya Touré. Voilà pourquoi j'ai mentionné votre nom, Monsieur Sidya Touré. Pourquoi? Voilà le message ici d'un des professeurs. Je vais lire son message. Un professeur qui est étonné, qui est dépassé. Il a même demandé au papa, parce que lui, ils ont demandé d'arrêter ses cours au mois de mars, parce qu'il est payé par heure. Il a arrêté ses cours au mois de mars. Mais il y a de ses élèves, des anciens élèves, qui l'ont appelé pour dire, ah, l'école ferme. L'école Victor Hugo ferme le 7. Le 7, oui, le 7. Après le 7, parce que le propriétaire de l'école veut casser, reprendre, imaginez cet espace, le propriétaire doit casser les bâtiments et faire sortir sous terre des étages. Et qui a acheté cet espace? Monsieur Sidya Touré, qui a acheté cet espace? Avec qui ils ont acheté? Parce que tu es actionnaire. Voilà pourquoi tu nous souffles les oreilles. Voilà pourquoi tu es devenu quelque part le complice, mais même les membres du EFR ont compris que tu es devenu un complice du CNRD. Tu es actionnaire d'une école où les enfants étaient bonnement installés, faisaient les années scolaires, il n'y avait pas de problème, les examens arrivent, on leur demande d'arrêter les cours. Et ce qui est marrant, on demande à tous ceux qui seront candidats là, ou tous ceux qui sont candidats aux examens, de l'aller dans l'autre bâtiment, là où il y a l'école professionnelle, pour suivre les révisions. C'est déplorable, c'est regrettable. Je me demande qui êtes-vous réellement. C'est ce que j'ai dit la dernière fois là. Je dis, vous avez fini votre carrière politique. Vous êtes déjà informé que c'est tous ceux qui sont au-delà de 70 ans ne seront plus candidats. Donc, vous ne serez plus candidat. Et voilà pourquoi vous ne voulez pas aussi que les autres soient candidats. Vous êtes d'accord avec le CNRD pour que les autres soient exclus, pour ne plus qu'ils soient candidats. C'est-à-dire, tu veux emporter avec toi les autres candidats, ceux qui sont candidats, ceux qui doivent être candidats, ceux qui, dans les conditions normales, sont presque les choix de ce pays. Parce que vous, simplement, vous êtes éliminés. C'est de l'égoïsme pur. C'est de l'égoïsme pur. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, M. Sidya Touré, l'actionnaire numéro un,
de Victor Hugo, vient de chasser les élèves de Victor Hugo. Il a reçu son argent. En tout cas, tous ceux qui sont actionnaires ont reçu leur argent et ils ont rendu l'école. L'école dans les 2 jours-là. Dans les 2 jours-là, vous verrez tous ces bâtiments-là à terre. Et les milliardaires, c'est les nouveaux riches de la Guinée, vont sortir sous terre des buildings, des étages. Ah oui, vous allez voir, soit on ne connaissons pas le plan d'abord, mais l'entreprise est connue. Voilà, l'entreprise Diawara et frère est dedans. L'entreprise, voilà, c'est la famille Kassi. Voilà, c'est la famille Kassi. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est le peuple de Guinée qui vous a fait le compte rendu de la Guinée. Donc, vous avez reçu ce compte rendu, donc vous n'avez pas de compte rendu à faire à quelqu'un en retour. Le peuple est propriétaire de tout ce qui est sur cette terre de Guinée. Si ce peuple-là vous a rendu la Guinée, il vous dit, voilà, c'est pour vous, mais vous n'avez plus de compte à rendre à quelqu'un. Voilà. Donc, je vais lire ça. Je vais lire ça, c'est une information. Sinon, le principal sujet, je voudrais m'adresser à Amara et à Bala Samoura et à l'armée guinéenne. Parce que ce qui se passe est inacceptable. Inacceptable. Simplement inacceptable. Donc, chers frères et sœurs, l'école Victor Hugo est devenue propriété privée du CNRD, des manias du CNRD, les lobbies du CNRD, de la famille proche de Mamadi Doumbouya. La grande école Victor Hugo. La grande école Victor Hugo. Victor Hugo des grands médecins. Victor Hugo des ingénieurs. Victor Hugo des élites de ce pays-là est devenue propriété privée des proches de Mamadi Doumbouya, qui est aujourd'hui entre la vie et la mort, qui est dans le coma. Voilà. Et on y met un carrière. Voilà. Il n'est pas dit qu'il invente. Je vais vous montrer l'hôtesse. Voilà. Voici l'hôtesse qui m'a été envoyé. Voilà. Je connais la personne, c'est un professeur. Un ancien professeur. Voilà. Donc, bonjour, cher frère Benito. Quelques informations très importantes par rapport à mon ancienne école. Hier, Victor Hugo a clôturé son année scolaire. Donc, tous les élèves de cette école sont en congé à partir d'aujourd'hui. J'ai interrogé certains parents et élèves de mon quartier qui fréquentent cette école. La raison principale retenue est que le nouveau propriétaire doit casser tous les bâtiments existants et reconstruire d'autres à la place des anciens bâtiments. À propos, nous savons tous qui était le vrai propriétaire de l'école Victor Hugo. C'est Signature qui était actionnaire principal. Et nous, presque tous, savons aujourd'hui qui a racheté cette école. Je t'envoie ce petit texte pour que tu le lis. Et pour conclure, ce que tu devais savoir, que c'est une famille proche de Mamadi Doumbouya qui a acheté ces lieux. Le bâtiment, l'institut, l'école professionnelle, l'université, tout a été racheté par la famille. Et encore de plus, les bâtiments voisins de l'école Victor Hugo doivent être rachetés encore parce qu'ils ont demandé que les habitants dans ces bâtiments voisins de l'école Victor Hugo discutent avec le nouveau propriétaire. C'est-à-dire, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat demande à ses propriétaires de discuter avec le propriétaire parce qu'ils doivent quitter. Et si on demande aux gens de quitter tout autour de l'école Victor Hugo, c'est qui est le propriétaire? Qui est le propriétaire? Parce que l'aéroport international, on demande aux gens de quitter l'autre côté, en haut du pont. Parce que simplement, il ne doit pas avoir d'étage là-bas, en face de l'aéroport. Parce que Mamadi Doumbouya, mais heureusement, cette option va bientôt changer. À Kipé, le monsieur qui a fait son étage en face de l'étage de Mamadi Doumbouya, ils ont demandé d'arrêter le travail. Je vais vous montrer les images. Attendez, j'ai l'image ici. Ils l'ont demandé d'arrêter. Et pourquoi il doit arrêter? Parce que l'étage fait face à l'étage de Mamadi Doumbouya. Donc, il doit arrêter.
Voilà, je vous montre. Voici les deux bâtiments. Ça, c'est à Kipé. Ce sont des exemples. Ça, c'est à Kipé. Vous avez vu l'état de Mamadou Doumbouya, c'est fini. Ils ont fini de construire. Voilà, c'est fini. Voilà. Attention. Attendez. Voici l'état de Mamadou Doumbouya. Ils ont fini de faire l'étage. Maintenant, voici son voisin. Ça, c'est l'état de son voisin. Et voici ce qui s'est passé. Voilà l'état de son. Ça, c'est l'état de son voisin. Voilà l'état du voisin. Ça, c'est pour le voisin. L'état, là, c'est pour le voisin. Voilà. Lui, il est en train de construire son état, molo, molo, petit à petit. Il a commencé avant l'état de Mamadou Doumbouya. Voici son étage. La villa à côté, là, c'est la villa de Sozo. Et regardez ce que le ministère a écrit. Sozo. Voilà ce que l'autre a écrit. Morikonde. Morikonde est venu écrire. Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Arrêt, arrêt, arrêt. Il a écrit arrêt. Arrêt sur les. Regardez. Ça, c'est sur les piliers. Arrêt. Ministère de l'Urbanisme et Habitat. Morikonde en personne. C'est Morikonde en personne qui s'est déplacé pour aller faire arrêter le chantier. Et aujourd'hui, il y a des militaires là-bas. Aucun militaire ne doit accepter que quelqu'un approche l'étage du monsieur. Ils n'ont pas confisqué l'étage, hein, mais ils ont demandé au monsieur de ne pas. Ils ont demandé aux travailleurs de quitter. Ils ont demandé au monsieur de ne plus venir voir son état, de ne plus continuer les activités, les travaux. Ils verront si il a droit à avoir, comment on appelle ça, une parcelle vers les kilomètres 36, plus un montant pour faire son état là-bas. Mais pour le moment, l'état là, ils sont en train de voir quelle serait la situation de son état. C'est sa parcelle qu'il a achetée lorsqu'il était en Europe. Il a commencé à construire. Il est rentré petit à petit. Il est en train de faire son étage. Il était maintenant au 8e parce qu'il voulait en faire un bâtiment d'habitation, c'est-à-dire les locations. On demande au monsieur d'arrêter de construire son étage. C'est sa parcelle. C'est lui qui a acheté la parcelle. C'est lui qui a, c'est-à-dire le, tout le matériel sur le chantier l'appartient. Doumbouya vient d'acheter cette parcelle d'en face. Il y a une ruelle entre les deux. Il y a deux cours entre les deux. Mais parce que c'est un étage, l'autre là pour Mamadi, moi je dis à la personne que ce n'est pas la principale cause. On veut juste récupérer l'étage dans la main du petit, du monsieur. Parce que seulement l'étage fait, voilà les deux affronts face comme ça. Donc il faut récupérer. C'est tout. L'école Victor Hugo également, qui a été vendue, rachetée par les proches de Doumbouya. Aujourd'hui, on veut s'attaquer aux voisins, tous les bâtiments voisins de l'école Victor Hugo. On leur demande tout simplement de contacter le propriétaire. On demande. C'est-à-dire, si vous ne contactez pas le propriétaire, vous risquez de perdre vos maisons. Ah oui, quel pays! Quel pouvoir! Voilà pourquoi on s'est levé vent debout. Si, moi, j'entendais sur, certains m'envoyer des vidéos de TikTok que non, si Azi rentre, il aura une justice équitable, une justice normale, il sera jugé dans les connus, dans les règles. C'est pour aller le tuer. C'est pour aller le tuer. Sinon, entre Dieu et vous, pour dire la vérité, tu acceptes ta parcelle avant Mamadi Doumbouya. Il a commencé à construire avant que le Mamadi arrive au pouvoir. Depuis au temps d'Alpha Condé, le monsieur est en train de faire son petit état, petit à petit. Le gars fait son coup d'état. Un an après, il achète la partie parce qu'ils sont en train d'acheter toutes les parties vides de Conakry. Dès qu'il y a un espace, on demande le propriétaire. Si tu ne te présentes pas, tu perds. Tu ne te présentes pas, tu perds. Hein. On demande à qui appartient cette parcelle. Et bon, on dit le propriétaire de l'autre côté. Appelle-le. Et puis tu viens. Au cas contraire, il faut rester sans te présenter. Si tu ne te présentes pas, on enverra un papier pour dire que personne n'a accès au milieu. Ton propre terrain, la parcelle que tu as achetée avec ta sueur, on t'interdit d'accéder là. Oui. Et c'est eux-là qui vous parlent de démocratie, qui vous parlent de refondation, qui sont venus changer tout. Ah, c'est comme ça, on change.
On tombe sur les pauvres citoyens qui ont acheté leur terrain depuis le temps de l'ancien la comté. On me fait comprendre que la parcelle, c'est depuis le temps de l'ancien la comté, il a acheté la parcelle. Même en voyant, il construisait en fonction de ses moyens. Maintenant, ceux qui sont à côté de Victor Hugo, on se dit, il y a combien de villas tout autour de Victor Hugo? Imaginez-vous que Mori dit, bon, un kilomètre de Victor Hugo, donc ils vont casser tous les bâtiments. Ils sont capables de faire, ils sont violents. Je voudrais m'adresser au nouveau maître de Guinée, les deux chefs suprêmes des armées, les deux boss de la Guinée, le petit général Amara Camara et Bala Samoura. À partir de ce matin-là, aujourd'hui, ordre a été donné à Amara de coordonner les activités du CNRD. C'est-à-dire, à l'instant où je vous parle comme ça, vous demandez aujourd'hui qui gère la Guinée, on vous dit automatiquement c'est Amara Camara. C'est lui qui n'a pas son entrée en septième année. C'est lui qui n'a pas le niveau 1. C'est ça, Pape dit. Donc, et vous connaissez qui est Bala Samoura, c'est un tapissier. À l'origine, c'est un tapissier, un simple tapissier. Parce que quelque part, si nous comparons notre pays à celui de la Côte d'Ivoire et celui qui gère la gendarmerie du Sénégal, vous verrez qu'il y a un fleuve entre les deux. Parce que celui qui gère la gendarmerie du Sénégal, il est sorti d'une école supérieure. Celui qui gère l'armée sénégalaise est un officier sorti d'une université, d'une école. Regardez le ministre de la Sécurité de la Côte d'Ivoire, le général Vagondo, il est sorti d'une grande école. Tandis que notre tapissier, le tapissier Bala Samoura, le tapissier, jusqu'en 2000, comme il était tapissier, c'était un simple tapissier. C'est à cause de la taille. C'est quand Dadis est arrivé, ils ont lancé des recrutements. Au temps de Dadis, ils ont lancé des recrutements. Cousine, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, ça fait deux jours. Hein. Ah non, ouais, cousine Maria. Un tapissier. Regardez la dernière fois l'intervention du commandant de la gendarmerie du Togo. J'ai suivi le monsieur sur TV5 Monde. Un interprète, il est sorti d'une école supérieure normale. Regardez la petite Guinée-Bissau qui est à côté ici. Qui gère la gendarmerie? Le commandant de la gendarmerie a étudié au Portugal. Au Portugal. Je suis allé vérifier. Vous connaissez qui est patron de la gendarmerie en Côte d'Ivoire? Il a fait l'école supérieure. Hein? Nous avons quelqu'un qui ne connaît pas le passé général Baldi avant. Général Baldi a fait beaucoup de formations. Lui, il était vraiment à son poste. Mais on vous envoie un simple tapissier et puis un mangeur de gratin. Numéro un, beaucoup m'ont dit ça. Il mangeait le gratin. C'est beaucoup de personnes. De gratin. Demandez. Et puis, aujourd'hui, il piétine ces personnes-là. Il a oublié toutes ces personnes. Mais ça ne m'étonne pas. Nous sommes dans un pays des ingrats. Pays des ingrats. Vamra, Heidi. Demado. Donc, le nouveau maître de la Guinée, ce n'est pas votre faute. Nous savons tous aujourd'hui que Mamadi Doumbouya aujourd'hui est préoccupé par rapport à son état de santé. Oui. Aujourd'hui, pourquoi Mamadi n'a pas confié le pays à Idi Amin? Pourquoi Mamadi Doumbouya n'a pas demandé à Spartacus de prendre la reine parce que c'est le patron des forces spéciales? Tout simplement, qu'est-ce qu'on me fait comprendre? Que Mamadi Doumbouya a démissionné de l'unité des forces spéciales. Donc, Mamadi Doumbouya appartient maintenant à l'armée régulière. Étant donné qu'Amara appartient à l'armée, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a expliqué. C'est-à-dire, voilà l'explication que j'ai reçue. Voilà. Et techniquement, selon Mamadi Doumbouya, parce que c'est celui qui a... Vous avez vu pourquoi je le dis et je le répète. Que ce qui est arrivé à l'armée, c'est une foutaise. Vous avez vu, c'est maintenant et eux, ils ont su que ce n'est pas quelqu'un de force spéciale qui doit diriger la reine du pays. C'est maintenant ils ont su qu'il faut être l'armée régulière. Même si tu dois faire un coup d'État,
Il faut être de l'armée régulière pour faire le coup d'État. C'est ce que nous avons dit. Si c'est Namoru qui avait fait le coup d'État, on pouvait comprendre. Si c'était Sadiba, on pouvait comprendre. Si c'était, comment ça s'appelle là? Si c'était, comment il s'appelle? Si c'était Commando Fara, on pouvait comprendre. Les flics, Magasuba et autres. Mais, on prend le pays, on le confie à Amara parce qu'il appartient à l'armée régulière. C'est normal. Amara, on le sait, il appartient à l'armée régulière. On dit, voilà, c'est toi qui dois coordonner. Mais Amara, quand vous regardez Amara, dites la vérité. Pas de haine. Quand vous regardez Amara, Amara peut diriger un pays. Amara, là, il peut diriger un pays. Amara, c'est qui? Il n'a pas son CEP. Il ne peut pas analyser un paragraphe. Et vous avez vu comment nous avons échoué dans les contrats des mines. Parce qu'ils ont confié la renégociation des contrats miniers par un ancien DJ et un ancien rappeur qu'on appelle Diba Diakité. Vous en connaissez la suite. Regardez dans quel état se trouve aujourd'hui notre situation minière. Hein? Tous les boss, les patrons des mines de Sigiri sont partis vers le Mali. Regardez notre pays, sur vos chers militaires, chers soldats. Quand je regarde l'armée de Lansana Conté, l'armée de Dadis, l'armée de Sekouba Konaté. Et je me dis aujourd'hui, c'est quelqu'un d'insignifiant. On laisse tous ces grands intellectuels dans l'armée, on confie le pays. Hein, un pays à un néant, parce que moi je me dis que c'est un néant. Amara, Kamara, quand je vois Amara, Amara peut analyser un paragraphe aujourd'hui. Imaginez-vous qu'il y ait un accident grave, qu'il y ait une situation qui demande une réponse active, une réponse rapide. On ne peut pas compter sur Baouri. Baouri était un francologue. Si je permets de dire le mot, le francologue, c'est-à-dire, quelqu'un qui m'a écrit, dit Baouri, c'était un francologue. Baouri, c'est le français. C'est les gros mots. Baouri, c'est l'arnaqueur intellectuel. Le vrai arnaqueur, c'est-à-dire tu es assis à travers le débat, il est en train de t'arnaquer. À travers les mots, il est en train de... Regardez ce qu'il disait au sinistré de Koronti. Wallahi bilatallahi. Heureusement, parmi eux, là, il y a des personnes qui ont compris. Entre les lignes de ce que Baouri disait, ils ont dit non. Les hommes ont donné raison. Il veut, c'est fini. Des gens ne doivent plus retourner sur les terrains de Koronti. Non, c'est terminé. Il y a des gens aujourd'hui qui ont déposé des milliards sur la table de Amara et de Diba pour occuper la partie. Et même le site même en question, là où il y avait le dépôt, c'est déjà racheté. Et qui l'a acheté? Dites-nous. Dites le contraire. Adouma Jirono, salam alaikum. Chers militaires, s'il vous plaît, regardez Amara, s'il vous plaît. Regardez Amara, regardez Amara. Regardez l'ancien tapissier Bala Samoura. Bala Samoura qui a pris Mamadou Alpha comme son ami, comme son camarade. Qui ne connaît pas Mamadou Alpha? Mamadou Alpha est parti à l'école. Mamadou Alpha, excusez-moi de dire Mamadou Alpha, c'est un oncle. Le colonel Mamadou Alpha. Mamadou Alpha, le porte-parole. Pourquoi on l'a mis porte-parole de la gendarmerie? Parce que c'est l'intellect. Ça dit sur le sommet. Il a étudié en France. Il a fait l'école. Non, il est formé pour la gendarmerie, pour les enquêtes. Mamadou Alpha a été formé pour auditionner. Il est censé être le patron de la justice militaire. Mamadou Alpha, là. Le patron de la justice militaire. Parce que lui, au moins, il sait qu'il doit aller en prison si tu fautes dans l'armée. Qui ne doit pas aller en prison? Mamadou Alpha. Mamadou Alpha qui était en prison là. Parce que c'est-à-dire c'est lui qui l'a pris comme son camarade. Toute sa vie, Bala Samoura, le tapissier, dès qu'il a dit non, c'est lui. Maintenant, on prend votre joli pays, le pays le plus riche en matière de ressources minières en Afrique occidentale. Le pays. Le château d'eau de l'Afrique occidentale. Ah oui. C'est ce pays-là qu'on confie à deux délinquants. Chers militaires. Chers forces. Chers anciens
patron de JI, du groupement d'intervention, parce que vous avez été du sou. Eh, cher Bata, on prend ce pays, ce joli pays, on donne à deux délinquants. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment ils sont en train de gérer le pays? Ils sont en train de sortir de l'argent. Mamadi Doumbouya, lui, il est parti avec sa carte. Où se trouve son compte? Où se trouve l'argent du pays? Tout ce qu'il avait comme argent, là, il est parti avec. Il a la carte. Il est parti. Il est avec sa carte. Ça est dans sa poche. Là où il a ses testés qui sont en train de piller, il a sa carte. Tout est sur sa carte. Mamadi Doumbouya, lui, a déjà géré sa fortune. Mais est-ce que vous savez aujourd'hui, les 9 000 milliards qu'ils ont demandé là, est-ce que vous connaissez la suite? Donc, chers militaires, chers soldats, commencez, s'il vous plaît. Ce qu'on nous dit là, oubliez ça, que si vous prenez Mamadi tout de suite là, qu'on a qui, ce sera la même chose. Mamadi n'est pareil à personne, Mamadi est unique. Est-ce que ce que vous allez faire là, c'est comme ça lui l'a fait? Ce que lui l'a fait, est-ce ce que vous allez faire? Qu'est-ce que lui l'a fait? Il est passé par le pont en massacrant les enfants des uns. Est-ce que si vous le prenez tout de suite là, vous massacrez qui? Des bandits, des délinquants. Est-ce que vous savez aujourd'hui les milliards que Idi Amin gère, chers militaires, chers soldats, l'armée régulière, est-ce que vous savez les milliards que Idi Amin gère? Idi Amin ne veut pas autre poste, hein? Depuis le temps de l'ancien à Conté. Parce que lui, Idi Amin aussi, il avait pris Général Kefala Kama comme son ennemi, comme son camarade. Et il était le petit de... C'est-à-dire, il voulait tester les gens là. Général Arafat aussi, Amasuma Oro Akalon, Arafat est de Farana. Il se connaît très bien. Amasuma Arafat, il connaissait Arafat. Après, là, lui aussi, il voulait. Il y a des gens qui le rappelaient qu'il est un gendarme, un simple gendarme. D'ailleurs, un agent des eaux et forêts. Un simple agent des eaux et forêts. Voilà, Diabana. Ou bien, il n'est pas agent des eaux et forêts. C'est un agent des eaux et forêts. Et ce qui me fait mal aujourd'hui, ce qui me fait mal, vous avez deux salaires aujourd'hui, Oloni. Bien qu'alors que vous avez deux salaires, vous les officiers là. Mais regardez l'état de ce pays-là. Vous avez le temps de vous racheter. Vous avez deux salaires, Bekalon, tous les officiers, sous-officiers. Pour, lorsque Mamadi devait changer de grade là, à la Temelaro, combien de milliards ont été distribués pour que certains acceptent? Combien? Et ce qui m'a surpris, c'est quand Mamadi Doumbouya, c'est pour ce poste que Mamadi Doumbouya ne voulait pas changer de grade. Eh Dieu! Est-ce qu'Assimi Goïta a changé de grade? Est-ce que Ibi a changé de grade? Même si on te propose, tu es le chef des rebelles. Mais il faut refuser. Mais Okono, Mamadi ne voulait même pas. Il ne voulait même pas, mais pour honorer l'armée, il a accepté parce qu'il n'appartient à aucun corps de l'armée. Donnez-moi le corps d'armée de Mamadi. Il n'a pas de corps d'armée. Donc si vous me nommez général d'armée, il n'a pas de corps. Parce qu'on dit général de corps d'armée. Il a quel corps dans l'armée? Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais regardez les gens là. Oui, vous jouez avec l'esprit de Guinée. Parce que vous avez trouvé un peuple mouton. Donc, vous prenez tout le monde comme des moutons. C'est ça, c'est normal. Sinon, dans les conditions normales, vous aussi. Depuis qu'ils sont arrivés, Idi Amin à la défense, vous avez reçu combien de tenues? Combien de tenues? Combien de chaussures? D'autres ont passé 2 ans avec la même paire de chaussures. Et pourtant, tout est dans les dépenses de l'armée. Tout est dans les dépenses de l'armée. Idi Amin est devenu milliardaire. Il n'a rien à perdre. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a aucun membre de sa famille. Même ses parents, sa famille ne vient pas en vacances à Guinée. Idi Amin, vous êtes assis, vous êtes dans les camps militaires. Vous souffrez. Et puis vous recevez vos salaires en retard. Vos primes ont été bloquées. Voilà aujourd'hui, de surcroît, on confie le pays à 2 malades. 2 bandits. Un qui n'a pas son entrée, examen d'entrée. C'est un petit examen comme ça. Il n'a pas eu ça. Et un tapissier. Un maître raboteur. Un ancien réparateur, parce qu'il n'était même pas fort dans ça. Il réparait les vieux fauteuils des gens. On vous dit aujourd'hui, entre Dieu et vous, que c'est les deux là qui doivent d'abord diriger le pays jusqu'à ce que Mamadi se retrouve. Vous savez quand Mamadi va se retrouver?
Est-ce que vous savez quand est-ce Mamadi va se retrouver entre Dieu et vous? Vous savez quand? Est-ce que vous savez ce que Mamadi a? Mamadi a été poignardé à plusieurs endroits. Pourquoi lorsque les boutons sortaient sur son corps là, il y a eu accalmie, il s'est traité, on a pu trouver des produits par rapport à ça. Pourquoi cette fois-ci là? Pourquoi cette fois-ci? Ils sont inquiets, toute sa famille est inquiète. Est-ce que vous voyez aujourd'hui ce qui fait le plan derrière Mamadi? Est-ce que les guéribas derrière Mamadi, vous les entendez? Est-ce que vous entendez les gens crier de Mamadi? Ils ont peur. Mais qu'est-ce que vous attendez? Aidez-nous. Vous aidez. Est-ce que vous aidez l'IFDG? Est-ce que vous aidez le RPG? Est-ce que c'est l'IFR du Vaurien Sidia? Est-ce que c'est lui qui vous aide? Vous aidez qui? Vous devez aider ce pays, ce peuple-là. Ramassez-les tous, mettez-les dans un coin, discutez avec les forces vives. Et puis c'est ce qu'ils font les autres. Quand il y a la merde, la souffrance, le peuple est à genoux. On ramasse tout le monde, on met d'un côté et puis on discute avec les forces vives. On trouve un président civil pour clore la transition, s'il vous plaît. C'est ce que je vous demande. Portez-vous bien, je viens.